Alors je peins depuis 8 ans, j'ai commencé par la peinture acrylique et puis j'ai continué par la peinture à l'huile dont je continue tous les jours à découvrir les différentes possibilités qui sont infinies pour moi. Quand je débute un tableau, pour moi, je commence une nouvelle aventure. Je choisis selon l'humeur du jour mes couleurs et puis je laisse faire mon imagination. Donc des décors se créent, des univers apparaissent dans lesquels j'intègre des personnages, des animaux, des fleurs plus réalistes. Et donc je crée quelque chose de totalement unique et personnel. J'ai peut-être besoin d'idéaliser la nature que j'admire énormément, mais peut-être l'idéaliser, l'embellir encore si besoin est. Alors ma technique, donc, c'est l'huile très diluée dans laquelle j'intègre de plus en plus différents matériaux, des collages, des empreintes, des matériaux que je réutilise, je détourne. Ça peut être de la pierre, ça peut être de la dentelle, des plumes, des perles, énormément de choses. Ben là, j'ai voulu vraiment mettre en avant la matière. Donc, j'ai utilisé, comme vous voyez, donc, de la dentelle. La dentelle sous toutes ses formes, c'est-à-dire là, du tissu, la dentelle de feuilles. Ici, vous avez du plastique. La dentelle de feuilles, une feuille dentelée. J'ai également une ammonite, donc un fossile. Voilà. À trouver, ça c'est de la région lyonnaise. Voilà, donc il y a également du bois que j'ai repeint. Oui, c'est un voyage, c'est-à-dire que je n'ai pas d'idée définie au départ et je laisse le tableau me guider au fur et à mesure que j'installe des choses. Alors celui-ci, donc, ce sont au départ de la matière posée sur la toile et puis les couleurs se sont positionnées petit à petit et j'ai créé deux fenêtres pour un petit peu aussi inviter au voyage, faire entrer dans un autre univers. Mais
mais là aussi c'est la tendance de mes derniers tableaux, c'est-à-dire beaucoup de matière détournée. Et ce que j'apprécie particulièrement dans cette toile, c'est que chaque visiteur lui donne une interprétation différente. Certains me parlent d'un cerf, d'autres n'y voient rien de précis, juste peut-être une envolée. Mais j'aime beaucoup, moi, écouter ce qu'en pensent les visiteurs et puis leur propre vision de mes toiles, qui me permet aussi d'avancer et d'avoir d'autres visions que les miennes.